ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وَنَفَعْنَا بما علمتنا وزدنا علما أيها الإخوة الكرام إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الله سبحانه وتعالى nous explique que ce Coran il guide vers ce qui est meilleur et ce Coran من هاج لنا من في حياتنا c'est une source de vie et surtout c'est un, un plan de vie Il nous apprend comment gérer notre vie. Et nous allons voir à travers deux ou trois ayats, à travers deux ou trois ayats, comment Allah il nous apprend à gérer notre vie. Mais ce qu'on disait à l'instant ça ne sert à rien d'avoir une quantité de science si on ne la met pas en pratique. Si on sait que pendant le Jumu'ah, il ne faut pas parler, et qu'on rentre à la mosquée, que l'Ima M. Al-Mimbar, et on fait le contraire, à quoi ça sert d'assister au cours À quoi ça sert d'assister à Khotmat al jumuah À quoi ça sert Si on a une science et qu'on ne la met pas en pratique, à quoi ça sert Imaginez, ça c'est un masque, mais imaginez, ça c'est une ordonnance. Je suis malade, je vais chez le médecin. Il me donne une ordonnance en me disant, tu prends ce médicament, ce médicament, ce médicament. Et tu le prends trois fois par jour ou deux fois par jour. Moi je prends l'ordonnance et je l'embrasse. Masha'Allah. Je prends l'ordonnance et je la mets dans mon coffre de voiture. Elle va me guérir. Je prends l'ordonnance et je la mets dans ma bibliothèque. Pensez-vous que je vais guérir? Mais qu'est-ce qu'on fait de l'ilm que Allah subhanahu wa ta'ala Qu'est-ce qu'on fait de la science qu'Allah nous a donnée Ça ne sert à rien d'avoir une quantité de savoir si on ne le met pas en pratique. Al-Qur'an, Hujjatun laka wa alayk » dit le Prophète. Soit c'est une, une, une preuve pour nous, ou c'est une preuve contre nous. Et regardez comment le Qur'an, il nous apprend certains éléments de la vie, certaines expériences de la vie. Puis le Qur'an, Qur on a dit combien de fois, le Coran c'est trois thématiques essentielles fait le Coran. Les trois thématiques essentielles fait le Coran sont le credo, l'aqidah. La deuxième chose, al l'histoire. Et la troisième chose, al les règles juridiques. Il y a 680 aya 580 aya qui nous disent comment gérer notre vie. Mais al c'est al qiyam hajj salat les relations familiales, le divorce, le Tout ça, c'est ahkam. Mais plus de la moitié, le tiers du Coran Kassas, des histoires. Des histoires que Allah nous raconte sur l'ambiance, sur les gens qui sont passés avant nous, sur les qui sont passés avant nous. Et derrière, il nous apprend comment comment on doit gérer notre vie. Et là on s'arrête juste sur comment le Qassas il géré. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, ce qu'on te raconte. De ce qui s'est passé avant, les nous thébita pour raffermir ton cœur, pour que tu saches que la conclusion et la fin de vie et le najah, c'est celui qui a cette crainte révérencielle d'Allah. Regardez la succession des sourates dans le Coran. Le Coran commence par la Surah Al-Fatiha, qui est un lien direct avec Surah Al-Nas. Le commencement, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Rabbil alamin, ar rahim Maliki Yomidin. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الرب والملك والإله في سورة الناس الرب والملك والإله في سورة الفاتحة علماء البلاغة لا سيمانتيك يبو ديز كونت لو كومنسمون اين à une correspondance avec la fin du, du, du verset ou la, la, fin de la sourate ou la, la, fin de la poésie du poème, c'est un signal, c'est un signe de l'éloquence de, de celui qui parle. القران il nous dit, regardez, sourate Hud, qui est la 11, Allah il raconte au prophète qui est descendu sur le prophète trois ans avant qu'il quitte Médine. Il lui raconte tous les, les gens ou les ou même les, les tribus les villes les civilisations qui ont précédé la civilisation de Quraysh, si on peut appeler Quraysh civilisation. Il lui parle de Qaum Nuh, Qaum Hud, Qaum Saleh, Qaum Pharaon. Tous ces peuples là ont été anéantis par Allah. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas cru au message que leurs messagers leur ont envoyé, que leurs messagers sont venus leur porter. Ils n'ont pas cru. Or, le prophète, il était vraiment à mal parce que ce n'est pas ce qu'il souhaitait pour son peuple. Ce n'est pas ce qu'il souhaitait pour Quraish. Qu'est-ce qu'il souhaitait Une issue favorable. Il souhaitait que ces gens-là croient en Allah. Parce que le prophète, il a fait un voyage nocturne, il a fait un voyage, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait un voyage au septième ciel. Et quand il a fait le voyage au septième ciel, qu'est-ce qui s'est passé Il a vu des signes d'Allah extraordinaires. Quand il a vu ça, il a vu des choses qu'aucun homme n'a vues. Quand il redescend sur terre, son seul souci, c'était de guider les gens. Son seul souci, c'était d'amener les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il souhaitait qu'Allah lui facilite cette tâche. Alors, Allah Ne pensez pas, et ne pense pas, Ya Muhammad, que tu vas arriver chez Allah sans avoir souffert, sans être éprouvé dans cette dunya. C'est une leçon pour nous, Yu'al-Ekhwa. Toute notre vie est une épreuve. Des gens vous appellent, vous disent Ah, cher, j'ai des, des problèmes, ma, ma vie, elle est mal. Nous avons tous des problèmes et nous avons tous des épreuves. Sauf comment on peut passer l'épreuve L'épreuve, on peut la passer par la connaissance et les paradigmes, ou la connaissance des paradigmes qu'il y a dans le Coran. Et c'est comme ça qu'Allah nous éduque. Surat Hud, la surat 11, juste après, il y a Surat Yusuf, Dans Surat yusuf Allah lui raconte nah alayka ahsan al Il lui dit Nous te racontons le meilleur des récits. Vous pouvez lire une histoire. Et quand vous lisez une histoire, une fois que vous avez fini le livre, c'est fini. Le livre, vous le posez, vous connaissez l'histoire. Mais Allah, a mis Yusuf. Vous la lisez autant de fois que vous voulez, vous avez toujours les mêmes émotions. Pourquoi ?« Qur'an, kalamun min Allah, amru ghaybi, ya'ti min Allah subhanahu ta'ala. » Yusuf, il y a tellement d'éléments, il y a tellement de leçons. Mais on va s'arrêter sur une ou deux leçons, fakat une ou deux leçons. La première leçon, c'est que Allah, Allah subhanahu wa nous montre comment éduquer nos enfants. Éduquer nos enfants, quand salam, il écoute son fils, quand son fils il lui raconte son rêve, Ya'Akoub, qu'est-ce qu'il fait Il écoute le rêve, il écoute son fils, et son fils, il l'appelle par le plus beau des, des noms par lesquels on peut appeler le père, Abati. Et qu'est-ce qu'il dit lui Ya'Abounei. Il lui dit Ya'Abounei. Il écoute son fils, c'est ce qu'on doit faire. Écouter son fils, quand il a, imaginez, le petit, il a deux ou trois ou quatre ans, il raconte à son père ce qu'il a vécu dans le rêve, et le, père, et le papa, il l'écoute, non seulement il écoute, mais après il le conseille. Et le conseil, il lui dit ne fais pas. Seulement, non seulement il lui dit ne fais pas, mais il explique pourquoi il ne faut pas faire. Il lui explique que la jalousie, c'est le premier crime qui a été, par la jalousie, le premier crime a été commis sur terre. Et la jalousie, c'est le premier péché qui a été fait là où Iblis était jaloux de Adam. Vous imaginez, c'est ça le Coran. Le Coran nous dit, parle à ton fils, même quand il est petit. Écoute-le, donne-lui de la considération et de l'amour. L'amour, peut-être qu'il est inné dans ta'ala. mais la considération, c'est un effort que je fais sur moi-même pour donner de la considération à mon fils. Quand on ne parle pas à son fils quand il a 3 ou 4 ans, il ne vous parlera pas quand il aura 14 et 15. Quand il sera au lycée, à la fin de son lycée, quand vous allez le chercher, comment s'est passée ta vie, comment s'est passée ta journée, il raconte rien. Pourquoi Parce qu'on n'a pas eu cette, cette fusionnalité ou cette fusion entre le père et le fils quand il était petit. Ça c'est très, très important. Une des leçons. On ne va pas parler de toutes les leçons qu'il y a. Le Lama ils ont dit, il y a peut-être mille, mille hikmahs, mille sagesse dans ce yusuf Mais regardez sur le Allah subhanahu wa nous raconte que Youssef salam, était très choyé, très aimé par son père. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Qui est jaloux de Youssef Ses frères. En fait, les frères, les sœurs aussi, qui vous porte préjudice dans la vie Souvent les gens qui sont proches de vous. Souvent les gens qui sont proches de vous. Et du coup, Allah, subhanahu wa le prophète, il nous dit Quand vous avez quelque chose ou un projet à faire, ne dévoilez pas tous vos projets. Ne dévoilez pas vos peurs. Ne dévoilez pas tous vos projets. Pourquoi Parce que quand vous dévoilez, vous allez aiguiser les jalousies. C'est ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Ça, c'est une sagesse dans le Coran. Youssef est choisi par son père. Mais il est jalousé par ses frères. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont essayer de le tuer. Ils vont pas le tuer. Ils vont le jeter dans le puits. Donc, ils ont une lumière à un moment. Au lieu de le tuer, ils vont le jeter dans le puits. Mais ils persistent dans le péché parce qu'ils vont mentir à leur père. Donc, ils vont faire du mal à leur frère et faire du mal à leur père. Et qui, qui c'est qui va le recueillir, Youssef C'est une. Il y a une caravane qui passe par là. Ils envoient quelqu'un chercher de l'eau. Et dans, dans, dans le, le seau qu'il veut relever, il y a Youssef qui s'accroche à ça. Et c'est là où je voulais en venir, Yuhel Youssef alayhi salam, le noble, le noble, le généreux, le fils du noble Yaqub, le petit-fils du noble Ishaq, le petit-fils, l'arrière-petit-fils du patriarche Ibrahim, Ali salam, il est acheté, il est vendu pour quelques sous. Il est vendu pour quelques sous en esclave. » Vous savez ce que ça veut dire, Yohel ikhwasa ça veut dire que parfois parmi nous, il y a des gens qui ont nos hautes valeurs chez Allah, subhanahu wa mais les humains ne connaissent pas la valeur de cet homme. Les humains, ne, ne, vous, ne vous fiez pas au jugement des humains. Quand vous faites quelque chose, cherchez toujours l'agrément d'Allah, toujours. Et dans Surah Yusuf, on apprend que le noble, le valeureux, celui qui lit Allah, il n'oublie jamais Allah, quelles que soient les conditions par lesquelles il passe. Il est en prison, il appelle à Allah. Il devient maître d'Égypte, il appelle à Allah. Euh, il est tenté, il appelle à Allah. Subhanallah al-Azim, il est toujours sabili, il, ala il est toujours sur la rectitude. Il est toujours sur le droit chemin. Et ça, c'est aussi une leçon pour nous, c'est que, quelles que soient les vicissitudes de la vie, on devrait toujours rester sur le droit chemin et être lié à Allah. Ça, c'est très important. Maintenant, laissez-moi vous dire autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un trésor sur le Qur'an et le Karim. Et parmi le trésor, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, nous t'avons donné les sept dédoublés. Et les sept dédoublés, c'est quoi C'est le Fatiha, surat al-Fatiha. Et surat al-Fatiha, el elle a tellement de sagesse dedans qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de la réciter minimum 17 fois par jour. Rien que pour ça, on devrait remercier Allah. On devrait nahmad Allah pour cette bénédiction et pour ce bienfait. dix nahmad Allah wa nahmad Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa yawmiddin fois par jour. Il y a des gens qui vivent dans les bienfaits d'Allah mais ils oublient de remercier Allah. Et rien que lire sur Al-Fatiha, on est dans l'éloge et le remerciement. Alhamd c'est ça, c'est l'éloge et le remerciement. Fis surat al-Fatiha nous apprend quoi surat al-Fatiha que nous sommes sairina ila Allah nous sommes en train de marcher vers Allah de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuha al innaka kadihun ila rabbika kadhan tu t'efforces toi l'homme de marcher de cheminer vers Allah et tu vas certes le rencontrer sauf que l'être musulman le croyant celui qui a la foi

Quand tu dis c'est toi que nous adorons ya Allah, et c'est toi que nous implorons, aide-nous. Quand est-ce que tu, aides, tu demandes de l'aide Quand tu peux pas apporter, quand tu peux pas faire, quand tu es impuissant de faire quelque chose, tu demandes de l'aide. On reconnaît notre faiblesse, on reconnaît notre besoin Allah subhanahu wa taala. Imam ibn al-Qayyim, il a écrit un livre qui s'appelle wa euh, Les stations des itinérants. Les stations des itinérants entre les stations de Iyakana Aboudou et Iyakana Staïm. Et il dit, Ibn al-Qayyim, quand on monte vers Allah, qu'est-ce que ça veut dire monter vers Allah C'est avoir la connaissance d'Allah. Il, il y a deux sortes de sciences. Il y a une science, on peut avoir ce que je disais au début de lal On peut avoir une quantité de sciences. On peut avoir connaître l'aulam al-Hadith, l'aulam al on connaître peut-être le tafsir, connaître. Mais si on ne le met pas en pratique, ça ne sert à rien du tout. Si on sait que le, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est Cette ayah, sur al-Hujurat, elle nous demande quoi De ne pas porter la voix au-dessus de la voix du prophète. L'ulama a quand on te dit un hadith et tu fais le contraire, tu as élevé la voix au-dessus de la voix du prophète. Tu as une injonction du prophète qui te dit, ne parle pas, écoute, al Cette aïe a est descendue sur le prophète quand il était sur le Mimbar. Parce que le prophète, quand il était sur le Mimbar, il n'expliquait pas comme les imams, comme les imams d'aujourd'hui, il n'expliquait pas les, les, les règles de, de ce qu'il y a dans le Coran. Quand le prophète est montait sur le Mimbar, il lisait le Coran.

Ça veut dire qu'on ne peut pas al-haram al on ne peut pas vendre l'interdit. El bil -riba, El Jumu'ah, Haram. Les contrats pendant l'heure de l'jumu'ah, pendant que l'imam est sur le mimbar, haram. tu n'as pas le droit, on n'a pas le droit. Comment passer outre toutes ces recommandations et faire le contraire de ce que nous dit Shara? Ça veut dire soit on a un problème de foi, on a un problème réel. On a un problème réel, Yahweh. Et quand on commence à monter vers Allah, à un moment donné, le Qayyim vous dit, quand vous êtes au premier étage, vous voyez les choses. Mais quand vous êtes en haut d'une tour, la vision que vous avez sur la ville n'est pas la même de celui qui est au premier étage, du tout. Eh bien, ça te donne une connaissance. Et à chaque fois que tu as une connaissance nouvelle d'Allah, ben tu grimpes dans l'échelle de la connaissance d'Allah. Et tu grimpes dans quoi Dans ta sérénité et dans ta foi. Quand tu connais Allah comme il faut, tu grimpes. Tu grimpes dans la connaissance d'Allah. Ce sont les gens qui connaissent, qui ont la science effective d'Allah. C'est ceux-là, ces gens-là, qui craignent Allah. Alors, comment on craint Allah C'est quoi le maqamat dit, le maqamat, c'est comme un, un oiseau qui essaye de décoller, comme l'avion. Vous avez vu l'avion quand il décolle, il met les gaz, il accélère, il accélère, il accélère. À un moment, il s'extirpe à l'attraction terrestre. Donc, l'insan, par la connaissance d'Allah, tout ce qui peut se passer ne le touche pas. Pourquoi Parce qu'il sait qu'Allah est avec lui. إيل سي الله قادر على كل شيء. العلماء يوديز في علماء السور، لا سوكسيسيون في القرآن. سي بور القرآن منهاج حياة. القرآن سي كالكو شو سي ان أن جور لي والله والله دافوع الله، جوو جو جوو الله سبحانه وتعالى. القرآن، جي Les musulmans, ils ont un trésor, mais ils n'en parlent pas. Ils ne le montrent pas aux gens. Pourquoi Allah, subhanahu wa dans 1200 ayah, il nous parle de Bani Israël, fait le Coran Parce qu'il nous dit Attention, vous faites comme eux. Ne cachez pas les vérités, ne cachez pas ce que. Donc, nous ne craignons rien devant Allah, devant la puissance d'Allah, devant ce qu'Allah peut faire. Donc, l'avion, quand il, il, il atteint la vitesse de libération, il va s'extirper à l'attraction terrestre et il va voler. L'être humain, le croyant qui a cette connaissance d'Allah, à un moment donné, il va s'extirper à l'attraction la, terrestre et il va monter à un niveau où il ne craindra rien du tout. La irsha illallah. La irsha illallah. Vous dites Sahaba, qu'on raconte aujourd'hui comme des choses mythiques. Les Sahaba, quand ils sont arrivés en Afrique du Nord, le gars d'entre eux, il se levait pour faire la prière. Mais il y avait Wahush, il y avait des carnivores qui venaient, il y avait des lions et des tigres. Ils leur disaient. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi adorer mon Seigneur. Laisse-moi adorer Allah. Qui a le courage? Qui a le courage de parler à un animal féroce comme ça? Ce courage-là, il vient d'où? De l'yaqeen. Et l'yakin, daraja min darajat iman. L'yakin, c'est une station. L'yakin, billah. Un bin malik, qui dit au prophète et à Où est-ce que je te retrouve le jour du jugement? Il dit Inde à Sirat. Si tu ne te trouves pas là, il dit Inde al -hawm. En fait, les compagnons, ils avaient une telle certitude qu'ils allaient rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala rendez-vous au prophète là-bas, dans l'au-delà. Ils ne lui donnent pas rendez-vous ici, à la place, je ne sais pas quoi. Non, là-bas, où est-ce que je te retrouve, Ya Rasulallah Ça, c'est darajat al yakin Nous avons la certitude que nous allons rencontrer Allah. Min darajat al-iman, darajat al-ilm. Min darajat al-iman, ilm Il -man, ce que je vous disais. Al-iman, al billah la connaissance d'Allah. Quand on vous dit qu'il s'est chafi, combien de fois j'ai cité cet exemple, mais je le recite. Quand on vous dit qu'il c'est chafi, tout le monde te dira c'est Allah. Mais quand on vous dit c'est Allah, vous le dites avec la raison, avec la tête. Mais quand quelqu'un est malade, il était très malade, il a eu une maladie grave, et les médecins lui ont dit, tu ne guériras jamais, c'est la fin. Il demande à Allah de le guérir, Allah il le guérit. Quand vous lui demandez qu'il s'est chafi, il vous dit c'est Allah, chafi. من درجات الإيمان أيها الإخوة درجة الإنفاق celui qui sait ما نقص مال من صدق qui a la certitude que quand il donne il sait que Allah سبحانه وتعالى ça ne s'amoindrit pas le matérialiste il sait que 100 moins 200 100 moins 25 ça fait ça fait combien ça fait 75 Allah سبحانه وتعالى te dit non 100 moins zakat ça fait pas 75 لأن الزكاة يربيها الله سبحانه وتعالى La zakat Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu as sorti il va te le multiplier. Regardez l'aya. L'aya fait في al bakara. « Ya ayyuhalladhina amanu anfiqo mimma razaqnakum. Regardez bien Allah subhanahu wa ta'ala nous dit anfiqo dépenser de quoi de ce qu'on vous a donné. Parce que le malou mal Allah. Et d'ailleurs, celui qui ne connaît pas le manthoum al-islamia, celui qui ne comprend pas ce que c'est fiqh zakat Celui qui ne comprend pas ce que c'est la finance islamique. Hein? « Al-Qarza al-Hassan » fait partie de la finance islamique. Tu n'as pas d'argent, tu vas à la banque. La banque, elle te donne de l'argent. Et la banque, elle va t'acheter la première marchandise que tu vas produire. « Hada Allah, subhanahu wa dit « Donnez aujourd'hui à Allah et Allah, il vous récompensera là-bas. » Qui a la certitude de ça Chacun, il mesure. Chacun, il se regarde devant le miroir. Il mesure sa certitude par rapport à la connaissance d'Allah, ta'ala. الله سبحانه وتعالى في سوره البقره يدي يدي, يدي يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. إنه سو جورغ لا دو يوم يوم نكره ما يعرفش سي انديفيني سو يوم يتيم سي ان جور اوفلان سو يوم سو لا ايماجيني لي فخير يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عن عما ارضعت وتضع الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله سبحانه وتعالى نو بال المرضع سيل كي اون بيريود دالتمون يا ان افيون كي سيكراز ان افيون كي فول tous les passagers meurent sauf une petite fille Et vous savez ce qu'on se dit On dit que quand la mère... Quand la mère, elle a vu le danger, elle prend sa fille et elle se recouvre sur sa fille pour qu'elle protège sa fille. Regardez le de l'homme. Et la vie, explose. La mère, elle meurt et l'enfant, non. Allah, wa ta'ala nous dit, ce jour-là, la mère, elle ne fera pas ça. Tellement les choses sont... sont tu ne peux pas imaginer. Allah, vous ne pouvez pas imaginer. Et il nous dit... <mint> jeunerie, la vous avez vu les arbres qui poussent dans une route de montagne, par exemple, dans une route campagnarde, Les arbres qui montent, qui montent, qui montent, et en haut, eh ben vous avez les branches qui se, qui se croisent. al c'est ça. C'est quelqu'un qui est ton ami, mais plus qu'ami. Tu lui fais confiance, tu lui laisses les clés de la boutique, c'est plus qu'ami. Allah nous dit ce jour-là, il y a pas ça. Ce jour-là, tu ne peux pas voir fulain ou la'anlain pour qu'il intercède pour toi. Donc, dépense aujourd'hui pourquoi tu veux le retrouver là-bas. Juste après cette aïe, Allah il parle de quoi C'est la plus grande aïe du Coran, la plus grande aïe dans le al-Baqarah, où Allah, il nous parle de lui-même, il nous parle de ses attributs, il nous parle de sa, de sa transcendance. Allah subhanahu ta'ala nous parle, mais fait surat, il nous parle de el -kursi, le verset du trône qui est extraordinaire. Ça prendrait deux heures à l'expliquer. Comme si Allah il nous disait dépensez et ne craignez rien. Ayez la certitude sur ce ilah, la ta qui ne dort jamais, qui veille sur vous, qui vous donne et qui vous comble de bienfaits. donnez fils à C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Juste une dernière chose ayouha ikhwa L'insan des fois il oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit tout et il sait tout. Il oublie. Et fin de la sourate Al-Baqara, tu لا inna إن نسينا أو Le c'est la première chose. C'est la première chose qui arrive avant de faire le péché. D'abord on oublie qu'Allah nous regarde et on oublie de mesurer les choses dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui il émol une vache, il émol une bête. Et il la laisse à Aisha. Et quand il revient l'après-midi ou le soir, il lui dit Ma Aisha, de ce qu'il a émolé. Qu'est-ce qui reste Aïcha lui dit Tout est parti, Allah. Elle a fait une sadaqa de tout. Il reste juste l'épaule. Non, non. Il lui change le paradigme. Non, non, ya Aisha. Il dit plutôt Tout est resté. Tout est resté, sauf l'épaule qui est partie. Pourquoi parce que tu as mis sadaqah dans un compte paran où tu retrouveras ton compte multiplié par dix, 10, par cent, par 700 chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum astaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ja'a fi athar Dans notre tradition, il y a une histoire qu'on raconte aux rois. Un jour, il y a un roi qui a décidé qui a décidé de construire une mosquée et de ne laisser personne mettre, ne serait-ce qu'un gramme, un sou dans cette mosquée. Et il voulait absolument qu'on mette son nom sur la mosquée. Il ne laissait personne dépenser pour cette mosquée. C'est lui qui, qui allait construire cette mosquée avec ses deniers personnels. Un jour, il dort, il fait un rêve. Et vous savez que Roya, c'est trois choses. Quand vous faites un rêve, c'est trois choses. Il n'en a pas cinquante. Soit la personne, elle est obnubilée par quelque chose, donc Hadith ou Nafs. Je suis omnibilé par mon examen, donc je vais le voir. Je vais voir mon examen dans, quand je dors. Ou bien je veux me marier avec une femme ou une femme avec un homme. Elle voit cette, 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 cette roya qui lui parle de ce qu'elle pense ou de ce qu'elle vit. La deuxième chose, Mina Shaitan. Shaitan qui vient te faire peur ou la te... Eraso Sassam dit, quand tu dors, dors à la wudu. Fais tes ablutions, il et dort. Là, il y le Hadith de Abu Et la troisième chose, Bouchra. Bouchra min Allah. Allah, il veut te donner une information. Il veut te donner une nouvelle. C'est ça. Un malik qui dort, il voit un malik qui descend du ciel, qui efface son nom de la mosquée et qui met le nom d'une femme. Il se réveille, mais alors dans tous ses états. Il raconte ça aux gens qui sont autour de lui. Il leur dit Voilà, j'ai vu, vu, vu en rêve un ange qui descend, qui efface mon nom et qui met le nom de la femme. C'est juste un rêve que tu as fait comme ça. Le lendemain, il fait la même chose. Il voit la même chose. Un ange qui descend, il efface son nom et il met le nom d'une femme. Subhanallah. Et la troisième nuit, c'est exactement la même chose. Et là, quand il se réveillait, il, amenait, il demandait à ses soldats d'aller voir à ce qu'il y a toujours son nom sur la mosquée. Il revient il dit oui il y a toujours ton nom. Le deuxième jour, pareil, le troisième jour, pareil. Et là, le troisième jour, il décide d'aller chercher cette femme. Il dit, vous cherchez, dans vous cherchez cette femme, vous me la ramenez. C'était une vieille femme, une femme d'un certain âge, qui arrive, lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour la mosquée pour que l'ange y descende et y met ton nom Moi je suis, d'abord je suis très avancé dans l'âge, en plus je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux que je mette Je n'ai rien mis. Il dit, mais si tu as fait quelque chose. Et Allah lui dit, sauf qu'un jour, oui, je suis passé par là. Et j'ai vu les, les chevaux qui, sont, qui portent les matériaux de, de la construction. Il y en avait un qui était très attaché, qui était attaché, et qui voulait s'approcher d'un récipient où il y avait de l'eau. Il voulait boire, il n'arrivait pas. Et il avait très soif. Elle dit, j'ai rapproché le récipient au cheval. Et il a bu jusqu'à n'avoir plus soif. Et tous les jours, je passais et je regardais si ces bêtes-là étaient abreuvées. Le qui descend, il enlève le nom du, mal du, du, du roi, il met son nom à elle. La tahqiranna al ma'rufi shay'a. Ne, 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 ne pense pas que ce que tu as donné, même petit, même petit, hein, qu'Allah ne le voit pas. Je vous disais, nous, on oublie. Les frères, aujourd'hui, les frères, ils organisent un gala pour finir le projet qui est là. Que chacun d'entre nous, et ta'wakal Allah. Et Allah, Il investit. Il investit pour où Pour Allah subhanahu wa ta'ala, là-bas. Qu'il ait la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala « La yudhi'u ajra al-muhsinin »« La yudhi'u ajra al-muhsinin » Dernière chose, notre passage sur terre. Comment on le marque, Comment on met notre, notre empreinte sur terre Comment Comment Il y a des gens, il y a des millions de gens qui sont passés sur terre. Personne Mais sachez une chose, l'imam Nawawi, il est mort, il n'avait pas 42 ans. L'imam Shafi'i, est mort. Il n'avait pas 50 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont laissé nous dit Quand l'être humain meurt, il n'y a que trois choses qui, ne, qui restent éternellement. C'est quoi Le projet, c'est pour former les générations futures. Nous serons sous terre, mais le projet continuera à former des gens. Et chaque personne qui apprendra, ne serait-ce qu'une lettre, celui qui a donné sera récompensé pour ça. نسال الله سبحانه وتعالى الثبات نسال الله سبحانه وتعالى ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما حييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان، ويت ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا الى صلاتكم بارك الله فيكم أبخل, أبخل الجمعه ان شاء الله في الصلاه صلاه الجنازه ان شاء الله سي ان غو دعاء الله سبحانه وتعالى الى كوف بارك الله فيكم